Et salut tout le monde, c'est Géro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre qui va traiter des aides de développeurs. Donc, petite introduction. Les aides de développeurs sont particulières. Elles s'obtiennent uniquement en expert. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo à part. Non pas parce que c'est uniquement en expert, mais parce que pour moi ce sont des items différents des aides basiques. Premièrement. Deuxièmement, c'était pour un peu mieux aussi trier les ailes parce que voilà, ça c'est un peu rien à, c'est un peu particulier la manière d'en obtenir. Donc toutes les ailes de développeurs s'obtiennent dans des treasure bags. Donc les treasure bags, pour ceux qui ne savent pas, ce sont donc des loots d'items de boss hard mode. Donc voilà, là par exemple j'en ai 901 du mur de chair. Ça s'obtient dans tous les treasure bags, quel que soit le boss. Donc là j'ai le mur de chair, si je voulais je pourrais en obtenir dedans. Ce n'est pas une légende urbaine, car Goldhawk, un gars qui avait fait un let's play aussi sur Terraria 1.3 lors de sa sortie, à la fin il a fait un boss rush expert avec un stuff récupéré en normal et il a réussi à obtenir sur un treasure bag les items de développeurs. Donc ce sont des ailes de développeurs, ça je sais pas si j'ai dit, je le redis, on sait jamais. Pourquoi est-ce que je les traite aussi tout en même temps en quelque sorte? Parce qu'elles ont toutes la même hauteur de vol qui est 77 blocs. Donc si j'équipe celle-ci, hop, 77 blocs, ça fait du 154. Donc voilà, j'arrive à 254, ce qui est bon. Donc là, j'ai équipé celle de 10 tonnes. Aussi, vous remarquez qu'elles ont des noms chelous. Ce sont les noms en fait des développeurs, d'où leur nom développeur, item de développeur item. Quoi d'autre de plus? Ben rien. Donc toutes les ailes, que ça soit 10 tonnes, ça vole à 77 blocs de hauteur, à la même vitesse et à la même durée de temps et tout ça. Ensuite, nous avons Sphinx qui est la même chose. Ça vole à la même hauteur. Ensuite, nous avons Wheels qui vole aussi à la même hauteur. En fait, ils volent tous à la même hauteur. Il n'y en a que trois qui sont particulièrement différentes. Ce sont les trois qui sont à droite. Donc, Jims aussi à la même hauteur. Loki aussi à la même hauteur. Et Red à la même hauteur. Voilà, il y a des petits mots en dessous. Il y a écrit quoi sur celle-là d'elle? Let your plan do dark and penetrate as night when you move, fall like a thunderbolt. Voilà, des petites phrases, catchphrases et tout ça. Désolé pour la pluie. Et enfin, nous avons ces trois-là qui sont particulières. Parce que, bon, en plus de voler toujours à 77 blocs de haut, vous pouvez les faire stagner et les faire bouger à l'horizontale en faisant de la manipulation qu'il y avait dans la même manipulation que dans le guide précédent sur les ailes, c'est-à-dire vous faites bas espace, enfin vous sautez bas espace et là vous stagnez et puis vous bougez à l'horizontale avec vos mouvements à l'horizontale quoi. Pour toutes les ailes, donc tac bas espace, je vois à l'horizontale. Bien entendu, si vous faites juste espace bas, ça marche aussi, mais pour certaines ailes ça marche pas entièrement. Bon là ça marche, mais hop. Bon ok, si vous avez juste sauter bas, voilà, si vous faites sauter et bas, vous stagnez aussi. Comme toutes les ailes de ce niveau, vous ne pouvez pas rester toujours fixe. Il y a une durée de vol et vous finissez toujours par retomber. Donc voilà. Elles s'obtiennent toutes de la même manière. Que ce soit Yo-Zero, Lazuré et Skiff. Elles ont toutes la même taux de drop, qui est de 5% dans le Zin Treasure Bag. Voilà. Donc sur ce petit guide sur les ailes de développeurs est terminé. Non, pas entièrement. Juste une chose, vous pouvez aussi les recolorer, les rendre visibles ou pas. Par exemple, bon, peut-être pas celle-là, mais celle-là. Hop, voilà, je la rends visible, on la voit dans mon dos. Vous pouvez donc la recolorer, la rendre visible, la cacher avec la cape. Au pire, on va le faire, je vais vous montrer. Donc je vais équiper, voilà, celle-ci, je vais la rendre visible. Ok, il faut forcément que je prenne les seules qui ne veulent pas avoir de visibilité, celle-ci, une espèce de jetpack. Donc, je peux les colorer. Tac, voilà. Je peux, si je trouve, les cacher donc avec la cape. Si je fais comme ça, c'est très bien, c'est drôle. Et enfin, si j'utilise un accessoire, je peux aussi, enfin un autre accessoire, je peux donc cumuler les pouvoirs que donnent les accessoires. Je vous invite donc à vérifier par vous-même. Donc là, vous voyez, je monte plus que je monte jusqu'à 300 et pas à 250. Je vous invite à regarder la fin du dernier guide afin d'en savoir plus pour au sujet de ces ailes. Voilà. Donc maintenant, les ailes de développeur, on en a terminé.
Donc je vous invite à vous abonner si ce guide sur les ailes. Merde, je viens de faire de la merde. C'est vrai que pour équiper un équipement, il faut faire clic droit. Je viens de supprimer mon yo-yo. Je pleure. Hop, on équipe des trucs au pif. Voilà. Ah, je suis devenu un loup-garou. Comme je suis trop dark. Hop. Donc voilà. Je suis un petit peu déçu, je viens de supprimer mon truc. Ça, c'est votre faute. Mettez un pouce vert pour le sac de yo-yo disparu. Je fais peut-être un montage de tristesse dessus. Au revoir. Thank you.